Les ossements décessés revivront encore. Ce matin, toute situation, c'est-à-dire ta vie, ce qui ne va pas dans ta vie, c'est un os décessé, les ossements décessés. Et le Seigneur m'envoie ce matin te dire, tout os décessé dans ta vie reprendront vie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tout ce que tu ne vas pas bouger dans ta vie, à partir de ce matin, après ce culte-là, tu vas voir cette chose bouger au nom de Jésus. Si tu me donnes un bon amen, ça va se faire dans ta vie. Ézéchiel dit, la main de l'Éternel fut sur moi. La main de l'Éternel m'a saisi. Donc ce matin, tu seras saisi par la main de l'Éternel. C'est pas n'importe quelle main, parce que ma main peut te toucher sans que ta vie ne change. Mais si c'est la main de l'Éternel, je dis, si c'est la main de l'Éternel, le créateur des cieux et de la terre, celui qui t'a donné la vie, celui qui a permis que tu sois là ce matin, si sa main vient sur toi, quelque chose d'étonnant va venir dans ta vie. L'esprit de l'Éternel me transporta. Donc l'esprit de l'Éternel peut transporter un prophète, peut transporter un homme de Dieu, peut transporter une servante, peut transporter un chrétien pour opérer un miracle. Donc ce matin, sois un homme d'esprit, sois une femme d'esprit, et tu seras connecté. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas être transporté en esprit. Alléluia. Le Seigneur peut transporter ce matin mes paroles, ce qui sort de ma bouche. Il peut transporter mes paroles. C'est comme moi-même, il est en train de me transporter, parce que mes paroles me ressemblent. Mes paroles sont égales à moi. Tout ce que je dis, ça vient dans mon cœur et se fait sortir cela dans ma bouche. Donc ce matin, par ma parole, tout ce que je fais sortir de ma bouche peut être transporté en esprit et dans ta vie, et ta vie change. Et ce matin, je commence à dire, tout ce qui sort de ma bouche transforme immédiatement ta vie au nom de Jésus. T'apporte une guérison au nom de Jésus. T'apporte une guérison au nom de Jésus. T'apporte un miracle au nom de Jésus. Il dit que l'esprit de l'Éternel me transporte en esprit. Mais où il va l'amener? Il va l'amener. Il me déposa dans un lieu d'une vallée remplie d'ossements. Donc l'esprit de l'Éternel a transporté Ézéchiel en esprit pour aller le déposer dans une situation. Et c'est une situation vraiment imaginable. Au milieu des eaux, des eaux desséchées. Alléluia. Rempli d'ossements. Et c'est une vallée. Une vallée et tout autour, et c'était vraiment, ils étaient fort nombreux, et à la surface ils étaient complètement secs. Je dirais ce matin, examine un peu ta vie. Est-ce qu'il n'y a pas un domaine de ta vie qui est sec ce matin? Ce qui est sec va changer ce matin au nom de Jésus. Et ce matin, tu dois être rempli et débordé en même temps. C'est pour cela que je prêche. Et des hommes vivants ce matin, ceux qui ont des oreilles spirituelles, pour comprendre le langage de Dieu, pour comprendre le langage de l'esprit. Et comme tu es un homme d'esprit, ce matin, tout ce qui est sec dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus, va revivre au nom de Jésus-Christ. Et pendant que je parle, je
vois quelqu'un financièrement, ça n'allait pas. Financièrement, c'était sec. Et tu te poses la question, pour que je suis avec le Seigneur, pour que je viens à l'église, pour que je prie Allah, pour que je gêne, pour que je fais beaucoup de choses à l'église, et financièrement, ça n'en va pas. C'est sec. Chaque fois, c'est moi qui te demande. Chaque fois, c'est moi qui est devant les gens pour dire, empruntez-moi, donnez-moi. Chaque fois, c'est moi qui demande. Le Seigneur m'envoie ce matin. Après ce culte, si tu crois de tout cœur que cela peut se passer dans ta vie, après ce culte-là, c'est toi qui vas donner au nom de Jésus. C'est toi qui vas tendre la main au nom de Jésus.